Ouais, après pour moi c'est une des rares games où ils ont pas une draft très top. C'était un méga, c'est très compliqué pour lui, il a mis un bon repos de l'agneau, il y a une belle aussi Aro qui connecte ici sur 113, 113 sous tourelle qui est stun actuellement, 113 qui prend d'énormes dégâts et le kill est récupéré par les mirages maintenant, mais attention parce que Sakon est présent, il fait beaucoup de dégâts, l'ultimate par contre de la Séraphine est totalement piffé. Ouais, dommage parce que Kabochar avait pas de flash, si on avait touché cette ulti Séraphine ça aurait pu faire un kill de plus et on voit un peu l'impact de cette hache qui commence, cette Aro et qui pourrait counter leur play. Codison qui va essayer de punir d'ailleurs 113. 113 il a un flash, il a un ultimate, ultimate est utilisé pour se positionner, ultimate de H tente de le jouer, flash aussi de Rock Jaune, on veut tout mettre, on veut attraper 113 et j'ai l'impression que c'est chose faite maintenant, 113 va tomber directement mais Sakon arrive, il a de bons dégâts, on a un méga aussi pour Kavosha, mais on est en 2 contre 4, on ne va pas le tenter. On veut pas le tenter, il y a le repos de l'agneau sur Memento, ça peut être un T1 mise qui est plutôt très bien pour ouvrir la map. Et peut-être que cette MF va essayer de solo le Drake, je pense. Ouah, plus qu'il va récupérer la Waybot, attention, Kabou, il a son flash. Il est pas mal skill ce dive, Kabouchar qui se repositionne, qui se fait stun, qui arrive à flash out pendant que Sakon arrive dans la mêlée, il prend beaucoup de dégâts, Sakon il va tomber directement sous les coups de Rokjun. Et c'est là où on voit la force de Talia, n'importe quoi. Sakon a mis son dash in, il a pris certainement la bordure du E de Talia, il s'est fait stun, et ce stun suffit à le tuer. CDR, c'est pas mauvais, surtout que bon, tu vas taper un peu de frontline. Dans cette game, il va taper le Viego, il va taper le Gnar. Attention, cet Aro. Sur une, parfaitement placé sur une ward. 113 qui pour le moment ne peut absolument pas bouger, qui va ultimate. Malheureusement, ça va aller dans le mur et c'est un kill gratuit pour Rangjun. Très bien joué de la part des Mirage Lion Drive. Oui, chaque bush est potentiellement wardé. Chaque bush est un danger de mort contre une hache, tout simplement. Toute la force de hache, attention. Memento qui prend un full CC, Memento qui se fait vaporiser par Eclès et Terra. Et le combo botlane de la cassée qui vaporise Memento. Du coup, on n'achève rien sur ce pick-up de 113. Le 113 par le Gnar de Kabochar, mais on peut sortir. Attention, la prochaine phase de jeu elle va être importante. De but, il y a un dragon, mais surtout 50 secondes avant le prochain baron. On a genre Codison qui va enchaîner sur 113. Mais il n'y a absolument aucun follow-up. Alors que du côté d'Anterra, on va flash in, on veut tout mettre, mais on temporise très bien. Du côté des Mirages, attention à Sakon qui a peut-être un énorme play ici. Sakon, double flash out, parfait. Sakon maintenant qui est en difficulté, qui pourrait se faire un travail pendant que Codison lui s'est fait vaporiser. Rang jaune sur Sakon, flash out de Lucas qui s'en sort parfaitement. Et la K-Corp à l'offensive, on n'hésite pas une seule seconde, ce flash air de Anterra. Le défendre doucement, non, on va téléporter, c'est parti pour les Mirages, ils veulent tenter de prendre le fight ici et maintenant. Memento qui est déjà très avancé, c'est déjà un petit peu tard parce que ces lasers font beaucoup de dégâts. Memento qui tente de s'avancer sur Kabochar qui disengage la roue par contre, elle a connecté sur 113, 113 il est foutu, il faut l'abandonner pendant qu'Anterra a plus de flash. Lui aussi s'est fait attraper par Rangjun, il faudra lui aussi le laisser tomber. Ah, la force de cette hache avec les pigeons en plus qui donne la vision, on cancel les bacs. On récupère 2 kills mais on perd ce deuxième Nashor, ça fait beaucoup de gold hein, pour la K-Corp. C'est pas le tour de Mirage. C'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire, on a la vision. On va fessier avec 113. Memento qui met beaucoup de dégâts qui est niveau de 7, 113 qui est ultimate mais qui prend tout de même la route, qui prend beaucoup trop de dégâts. Soit l'ultimate tout de même, de Reglas qui répond bien. L'arrivée maintenant de Banulu qui met d'énormes dégâts mais qui doit reculer tout de même. Très bon repos de l'agneau, passage de Memento pour temporiser et la K-Corp va-t-elle devoir laisser le baron Nashor? On veut fight sur la mid lane. Il y a aussi le dragon de up pour ces deux équipes. Il reste pas beaucoup d'ulti hein, pour les mirages. C'est un timing parfait. Très 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 bon timing. Alors c'est vu, il y a un trinket bleu à l'intérieur du pic. Memento, regardez Memento. Est-ce que Memento peut s'avancer? Memento pour le moment, il s'avance un petit peu. La roue est superbe sur Sakon. On arrive à temporiser Memento qui met de Seraphine. Memento qui flash in, qui est dans le pit maintenant, qui a repos de l'agneau évidemment pour tout temporiser. Mais il devrait se faire exécuter à la sortie. Memento, quoique il est réussi, il temporise, mais il n'aura pas le baron Nashor qui est récupéré par Anterra. Attention au fight par route, il faut venir peut-être pour la casser Sakon qui tente de réengage. Mais double flash du côté de Raxo et de Konisa qui temporise par maison. C'est maintenant Badelu qui rentre dans la mêlée, qui devrait abattre Sakon, qui ne pourra strictement rien faire. Mais du côté de la cassée, on a eu Nashor. Merci Jules, merci Anterra. C'est ça le problème là pour l'instant pour la K-Corp. C'est toujours Badelu en side qui, on l'a vu, il go in, c'est une instant stopwatch de Kabochar, il l'a plus à disposition. C'est difficile. Petite maître Talia pour récupérer le baron Nashor, 113 qui va tenter d'aller le contester. Il a un ultimate, il a aussi un flash, on a Badelu qui met toujours beaucoup de pression, donc du côté de la cassée, on est obligé de back pour défendre. Et c'est Reckless qui est bon avec Sakon. Alors comment on joue ça de la part de Badelu? Il n'y a pas beaucoup de mana. Comment on joue aussi sur le baron Nashor? 113 qui veut absolument tenter deux sinon on va essayer de zoner du côté de Rangjun qui va trouver potentiellement un très bon angle. Mais 113 est déjà dans le pit. 113 de smite et c'est 113 qui le récupère, qui flash out en plus de cela pendant que Badelu se fait récupérer par 3 joueurs de la Carmine. Il ne peut strictement rien faire, il est abattu par Reckless. Et en plus 113 s'en est sorti, incroyable play, très réaliste, très opportun de Reckless qui font beaucoup de dégâts et on devrait être forcé de reculer. C'est un deuxième limiteur pour la casse. Ah, c'est difficile hein, le POG de Sakon. Une très bonne nouvelle de l'Eric. Oh, Codison s'est fait vaporiser par Sakon. MDR. Il fait trop mal Sakon, il a 4 items je crois. Oh, ça va dans mes veines. Honnêtement, une H-Support qui se fait one-shot comme ça va droit dans mes veines. On respecte pas hein.
le proc Comet, le proc Luden, il a 4 items. C'est... On se fait surprendre et du coup on a deux inhibiteurs. Et ce temps de jeu, ça peut être un peu la fin de partie. Cabochard a été fixe la wave, il a une TP, on utilise mur de la tisseuse pour temporiser cette wave. Attention, le canon tape hein, sur la tourelle, il fait beaucoup de dégâts mais Saken doit reculer. Et là K-Corp qui va probablement être forcé de jouer l'Elder pour remporter cette game. On essaie de faire perdre du temps. De toute façon, on a deux inhibs, on a juste à patienter les waves pour la casser. On va être obligé d'aller fixe dans la base pour les mirages. On tente une arrow. L'arrow qui va connecter, qui met beaucoup de dégâts. Mur d'Atlus qui est très bonne, c'est du côté de Rangjun qui se repositionne parfaitement, qui bloque un petit peu 113. Vanu qui a un superbe flanc, l'ultimate de Seraphine, un petit peu loupé, l'ultimate de Reckless. Les dégâts sont colossaux et 113 encore une fois sur le smite qui l'emporte. Et maintenant, il faut fuir pour les mirages. L'ultimate de Saken qui est très bon. Memento est toujours dans le repos d'Anneau, mais il ne pourra rien faire avec l'ultimate de la Renata. C'est un fight vaporisé par la Carmine Corp. Codyston se fait souffler par le dragon. Les waves sont dans la base Mirage et Lyandra. Il n'y aura pas de défense possible. Surtout, reviens là avec ta Seraphine. Tu es bloqué. Cabochard est présent. Cabochard va te one shot. Mais sans pas tout à fait. Et pixel perfect. En smite, ouais. Bah, il... indécent. Bah, techniquement, c'est lui qui carré la game via ses smites. Mais je, vraiment, c'est indécent. Et l'ultimate de Reckless a fait tellement de dégâts. Mais je n'en reviens pas qu'il ait eu le Nash en 2v4. Là, il a réussi à steal l'Elder. Il y a un nul.